Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler aménagement toujours, mais cette fois-ci, vous voyez qu'on est en train de tout bouger, c'est pour parler tapis. Pourquoi des tapis? Parce que j'ai fait longtemps l'erreur, moi, de ne pas avoir de tapis véritablement, enfin, en tout cas pas des très grands tapis dans l'habitat, et je me suis rendu compte en fait que leur adhérence du coup sur le carrelage, elle n'était pas terrible, et donc en fait ils n'étaient pas très à l'aise pour courir, se dégourdir les pattes, toutes ces choses. Donc en fait, je me suis dit, c'est le moment, Emma, d'investir dans des tapis. Donc je vous montre le nouveau tapis. Voilà, les dimensions, je vous les note. Le prix, je l'ai acheté sur Benuta. J'ai eu un petit code promo que j'avais chopé par une influenceuse. Je sais pas s'il sera toujours valide au moment où cette vidéo sort. Il est lavable à froid, donc il est top. Les lapins, moi, ne font pas pipi dessus et ne le grignotent pas. Enfin, ils sont dressés, donc... Et ça leur permet vraiment d'avoir, du coup, une adhérence. Ils sont beaucoup plus épanouis. Ils y passent énormément de temps. Et donc maintenant, j'ai quand même deux très grands tapis, du coup, dans le salon. Donc celui-là sous la table et l'autre qui est au niveau de la table basse, mais qui est un petit peu mangé, du coup, quand même par ma grande table basse. Et j'ai montré aussi comment j'ai accroché un plus petit tapis que j'ai mis dans l'habitat. J'ai acheté ces petits trucs-là sur Amazon. Et en fait, ça permet, du coup, de fixer le tapis et qu'il glisse pas partout. Et c'est ça bouge pas. Voilà, en fait, je vous montre, j'ai mis un plus petit tapis là parce que où je vais positionner un futur petit coin pour les lapins. Et donc, je vous montre, en fait, c'est tout bête. Vous collez la partie qui a marqué on carpet, c'est-à-dire côté tapis, et vous laissez ensuite vous décoller le côté où il y a marqué on the floor, qui veut dire la partie du sol. Et voilà, et vous collez, et franchement, après, ça bouge pas. Moi, j'ai les aspirateurs robots qui passent, et donc, ils étaient tout le temps en train de pousser le tapis, et depuis là, ça bouge plus du tout. Donc, c'est super pratique. Donc, voilà un petit peu, et voilà, c'est l'autre grand tapis que je vous parlais, que j'ai coté avec la table basse, bon, qui est un petit peu mangé par la table basse. Donc, au final, ça fait quand même trois grands tapis dans l'habitat, et vraiment, je vois tout de suite qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus heureux. Ils y passent vraiment tout leur temps. Avant, ils passaient beaucoup de temps sous le canapé l'après-midi pour faire la sieste et tout ça. Et maintenant, ils sont plus sur les tapis que sous le canapé. Ils y passent vraiment plus du tout de temps sous le canapé. Et je pense que c'est parce qu'ils ont trouvé des coins mieux. Même s'ils avaient des tapis pour dormir, je pense que c'est pas la même chose. Voilà un petit peu. Je vous mets un tout petit extrait de Pampan qui nous fait un Binkies. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vous dis bye, à dans une prochaine vidéo. Et puis si vous voulez nous suivre sur Instagram, ça se passe là et là. Voilà.